Rebonjour les étoiles. Là, ça sera une guidance pure, un peu généralisée. C'est une guidance pour les personnes qui vraiment commencent à se décourager, qui commencent à avoir des idées un peu farfelues quant à ce confinement. Un peu pour remettre, je dirais, l'église au milieu du village parce qu'il y a un peu n'importe quoi comme message qui arrive tout le temps. On ne sait plus quoi lire, on ne sait plus quoi écouter, on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux. C'est donc juste cette guidance est pour les personnes qui sont un peu perdues concernant ce confinement. Voilà, l'utilité de ce confinement. C'est ce que, en tout cas, ici, voilà, m'apporte cette guidance. Bien. Alors, on va regarder tout ça. Je sens vraiment la question, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon? On me dit ça, je sens vraiment cette question, à quoi bon? À quoi ça sert? À quoi bon? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut pas. Il faut et je dois, non. C'est pas le bon message, mais. Oui, on sent le souhait d'un retour à la normale, mais c'est quoi la normale au fait? C'est surtout ça la question qu'il faut se poser. Bien, on va y aller comme ça, il me semble. Voilà, il y a encore ces deux qui sortent. Si jamais on prendra les unes après les autres. Voilà. Alors. Voilà, alors vraiment, on sent qu'il y a une connexion, qu'il y a une vision qui est troublée ici. Hein, d'accord? On voit que. Tout derrière cette personne, eh bien, est troublée parce que ben on voit pas ce qu'il y a derrière ces grandes montagnes, hein, d'accord? Donc vraiment soyez attentifs parce que ou attentifs, hein, d'accord? Parce que on vous demande de prendre de la hauteur, de vous placer tel cet aigle qui est là en haut et qui arrive très bien à voir ce qui se passe. Et puis pas vous placer au niveau de votre vision mentale, mais plutôt de votre vision de l'âme, votre vision du cœur. On vous demande de faire confiance et pour faire confiance, on vous demande de vous connecter parce que sans la connexion, vous ne pourriez pas être dans la confiance, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, ça va ensemble. Vraiment, connectez-vous. En vous connectant, qu'est-ce que c'est se connecter? C'est faire appel à tous les guides, faire appel au divin, faire appel aux anges. Ils sont là pour ça, ils sont là pour nous. C'est comme si vous voulez préparer des pâtes sauce tomate et avec de la viande bolognaise, je dis n'importe quoi, d'accord? Et que du coup, ben, le résultat que vous attendez, c'est des pâtes avec de la sauce tomate, avec de la viande dedans, et que vous avez tous les ingrédients, d'accord? Que vous avez la sauce tomate, que vous avez les pâtes, que vous avez la viande, que vous avez les oignons, que vous avez les épices pour assaisonner tout ça.
Et que du coup, vous dites, moi, j'aimerais des pâtes sauce tomate, et puis que vous n'utilisez aucun de ces ingrédients, et que vous allez utiliser des pommes de terre, vous allez utiliser des... enfin bref, d'autres ingrédients, le résultat, ça ne sera pas des pâtes sauce tomate. Okay? Donc, prenez conscience que vous êtes avec, vous avez toute une équipe, toute une team avec vous. Prenez conscience d'eux et demandez. C'est comme ça qu'on se connecte. Avoir conscience du divin, avoir conscience de tout ce qu'il a mis en œuvre pour nous, pour que nous soyons tout le temps écoutés, pour que nous soyons toujours satisfaits dans nos besoins, dans nos besoins. Point. Il n'y a pas besoin de dire autre. Seul ceci, va amener une meilleure vision, d'accord? Ça va vous permettre de vous placer au-dessus de tout et de voir vraiment les solutions qui s'offrent à vous, d'accord? Ça va même vous donner une direction. Cette direction que ça va vous donner, c'est la confiance. Et le message que j'ai ici, si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, c'est pas grave. C'est pas grave, ayez confiance parce que tout arrive à un certain moment, il y a un rythme. Il y a un rythme, tout simplement. Déjà, humainement parlant, on n'a pas tous le même rythme, d'accord? Il y a des personnes qui ont besoin que ça aille très vite, d'autres personnes qui ont besoin de temps et que ça aille lentement. Donc, il y a un rythme divin pour chacun de nous. Et il y a quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand que votre passé ou que la situation que nous vivons actuellement. Et du coup, patience parce que ça va vous amener à une certaine conscience et présence de vous-même. D'accord? Donc, vous devez vraiment concentrer votre esprit sur la positivité. Rien n'empêche que vous fassiez une méditation, on en trouve plein, sur l'ancrage ou sur la confiance en soi. Méditation aussi qui permet d'être beaucoup plus dans l'acceptation et dans la confiance et dans la conscience. Soyez présent, on vous demande d'être présent. D'être présent dans la conscience. Donc, soyez conscient de qui vous êtes aussi. Parce qu'une fois que vous avez vraiment pris cette conscience de votre présence sur cette terre et que vous êtes important, que vous êtes une partie du puzzle très très important, bien sûr. Voilà, on vous demande aussi de cesser de vous déconnecter, de vous blâmer, de reprendre confiance en vous, à votre étoile, à votre graine, à ce que vous pouvez apporter dans cette humanité. Parce qu'en prenant conscience de ça, en étant présent ou présente dans cela, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Ça vous amène face à vous. Et face aux autres, mais face à vous et face aux autres, parce que ça vous amène face à votre moi-même. Voyez le signe du yin et du yang. Voilà, alors c'est vraiment une complétude et qui est parfaite. Donc, en étant en présence et en conscience avec vous-même, ça va vous rééquilibrer, ça va vraiment vous stabiliser, vous ancrer, comprendre qu'il n'y a pas que le mal ou que le bien dans la vie, il y a un peu des deux. Cessez de se positionner en victime, mais vraiment
d'être dans la reconnaissance de tout ce qui est, parce que tout ce qui se passe n'est que amour. C'est vrai que c'est pas facile à comprendre, mais placez-vous toujours dans votre cœur et vous comprenez que Dieu est en chacun de nous, d'accord? Et en chaque personne et en chaque situation que vous rencontrez, parce que le but, c'est toujours de pouvoir vous élever un maximum. Et puis, on arrive avec la dernière carte, c'est la beauté. Donc, ici, quand même, arrêtez de chercher des choses trop compliquées. Les choses simples sont aussi très, très belles et peuvent apporter énormément de beauté et de fruits et de cohérence et de stabilité dans votre vie. C'est important. Voilà, ça c'était le message pour les âmes qui sont un petit peu, les personnes qui sont un petit peu en interrogation et qui perdent patience et qui comprennent pas ou qui n'arrivent pas à être dans la compréhension de ce qui se passe actuellement et de ce qu'on leur demande et à quoi ils sont réclamés à faire en ces temps. Je vais couper la vidéo aussi pour ensuite avoir encore d'autres messages, d'accord? À tout de suite, mes étoiles!